Salut les techniciens, c'est Hamslo, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu particulière, je fais ça chaque année en fait. On va parler évidemment des joueurs avec 5 étoiles de geste technique et on va dire prédire leur carte TOTS. Est-ce qu'ils auront une carte TOTS, est-ce qu'ils en auront pas, on va voir ça ensemble. Avant ça les gars, petit placement de produit, attention on rigole pas, ça va être simple, ça va être rapide les mecs. C'est pour Top 11, Top 11 qui est une application donc totalement gratuite. Il m'avait déjà contacté il y a... La dernière fois que j'ai fait un placement de produit, bah, c'était il y a quoi, 5-6 mois. Ça date, hein, ça date. En tout cas, j'espère que ça va pas vous déranger, mais de toute façon, c'est genre 1 minute 30, même pas. On va faire ça assez vite. En fait, cette application est totalement gratuite sur iOS, sur Android et tout ça. Vous avez votre équipe, moi c'est Hamslo FC. Vous avez votre équipe, vous pouvez faire les entraînements, les transferts, les rencontres, les ligues. Il y a la Ligue des Champions, c'est assez cool. Bon, moi je suis pas qualifié évidemment, j'arrive même pas à remporter une coupe, donc bon. Ça va pas le faire. Il y a les entraînements donc par rapport à tout ce qui est kiné, rapide, vous avez des bonus, les rapports aussi de vos entraînements. C'est assez complet comme jeu, ça me rappelle un peu le jeu sur PC, je pense que vous voyez lequel je parle. Vous avez aussi donc tout ce qui est finance, donc vous pouvez régler toutes vos finances par rapport donc à vos revenus, à vos bonus, etc. C'est assez cool en fait, c'est assez détaillé, c'est gratuit, donc je me dis pourquoi pas vous la représenter pour ceux qui ne l'ont pas évidemment déjà vu. Vous avez tout, hein, vous pouvez aussi acheter évidemment, vous pouvez mettre de l'argent comme les points FIFA sur FIFA. Je vous le déconseille, mais bon, vous avez les tokens, l'argent réel, donc pour donc échanger votre argent réel face à de l'argent donc virtuel pour améliorer plus facilement votre club au niveau des transferts et tout ça. Je vous le déconseille, c'est un peu comme les points FIFA, hein, je vous déconseille d'acheter des points FIFA. Ça, vous me connaissez, hein, c'est pas trop mon délire les pack opening, mais c'est un peu dans le même délire, mais c'est assez complet. Et puis vous avez l'équipe, vous pouvez modifier évidemment votre formation en faisant glisser donc les joueurs, vous pouvez sauvegarder, etc. C'est assez cool, assez détaillé comme je vous l'ai répété. Mais bon, j'espère que cette application vous plaira. C'est assez fun, ça vaut le coup de télécharger. Et puis si vous voulez me faire plaisir, surtout n'hésitez pas. De toute façon, les liens sont dans la description. Pour le premier joueur avec 5 étoiles de geste technique que je vois donc TOTS prochainement, ça va être Mohamed Elyounoussi, donc le Norvégien qui joue au FC Bâle, donc championnat suisse. 29 matchs joués. Avec 10 buts, je crois, ou 11 buts, c'est pas mal pour sa première saison, parce que je crois que il est nouveau dans ce club. Il est arrivé donc cette année, en 2017, 2016-2017, cette saison-là. Pour sa carte TOTS, je le vois noter 84 de général. Vous le savez, c'est un joueur argent de base. Pour moi, il mérite une carte or, il fait vraiment une très très bonne saison. Donc 90 en vitesse, 86 en tir et 88 en dribble sont ses stats les plus élevés. Si vraiment il a une carte TOTS, je pense vraiment qu'il aura donc à peu près une carte similaire. Évidemment, tout ce que je dis, ce sont des prédictions. Ça va pas se passer sur FIFA 17, je suis pas devin à ce point-là. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'il chope une carte TOTS avec le championnat suisse. C'est possible, je pense. En tout cas, surtout les gars, n'hésitez pas à me corriger si je dis une bêtise dans les commentaires. Mais en tout cas, une vraie carte, parce que les 90 en vitesse, je pense que ça va se ressentir. En plus, avec les 5 étoiles de geste technique, on pourra faire du sale. Donc, il a une bonne stat en tir. Franchement, une très très bonne carte, j'ai testé sa version Inform, elle est vraiment très très forte. Alors lui, j'ai hésité longuement à le mettre, d'ailleurs comme un autre joueur que vous allez voir donc après. J'ai hésité à le mettre parce que il fait une saison correcte avec le Beşiktaş, mais tu vois, c'est 100+. J'ai envie de te dire, c'est 50-50. Alors, je l'ai mis parce que Quaresma, je pense que fait partie de ces joueurs-là qui peuvent nous faire paquer. Donc, du coup, ils peuvent le mettre dans la TOTS reste du monde. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le mettre. Ça se trouve, ça peut-être qu'il va, il va avoir une place. On sait pas. Mais après, c'est vrai qu'au Beşiktaş, moi, personnellement, j'aurais mis Aboubakar, mais comme vous le savez, il n'a pas 5 étoiles de geste technique sur FIFA Ultimate Team. Il les a en saison, il a été modifié donc en saison, il est passé à 5 étoiles de geste technique, mais il les a pas sur FUT. Ça, c'est bien dommage. Sinon, évidemment qu'à la place de Quaresma, j'aurais mis Aboubakar, parce que Aboubakar fait nettement une meilleure saison que Quaresma. Mais après, voilà, j'ai mis Quaresma pour dire que j'aurais mis Aboubakar, en fait. Après, c'est 50-50, je le vois pas, évidemment, dans une des équipes de la saison. Mais après, ça me dérangerait pas de le voir, évidemment. Mais je pense pas qu'il mérite. En tout cas, surtout les gars, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Alors lui, j'en suis quasiment sûr qu'il aura donc une carte TOTS prochainement. C'est évidemment Giuliano. Giuliano, lui, par contre, n'a pas les 5 étoiles de geste technique en saison. Vous le savez, il a été rétrogradé donc à 4 étoiles de geste technique. Mais sur FUT, il a toujours ses 5 étoiles, c'est cool, mais ça veut dire que sur FIFA 18, il aura sûrement 4 étoiles de geste technique. Mais pour l'instant, on parle de sa carte potentielle, donc de l'équipe de la saison.
Une carte sublime avec 90 en vitesse, 91 en tir et 90 en passe. C'est ça là à plus de 90, ça on voit du très très lourd. Giuliano c'est quoi? C'est 26 matchs pour 8 buts. C'est pas mal, il faut savoir qu'évidemment comme Elunusi, ils sont nouveaux dans leur club, donc il faut un temps d'adaptation. Bah eux, les deux, ils se sont adaptés très facilement et c'est assez cool de voir des joueurs comme ça qui peuvent s'adapter assez facilement à leur nouvelle équipe. Donc pour moi c'est logique que Giuliano donc, obtienne une carte TOTS. Donc dans les prochaines semaines. Ensuite on va parler d'un joueur que j'apprécie énormément, surtout cette saison et même l'année dernière. Il était donc à Rennes. Je veux bien sûr parler de Ousmane Dembélé. Lui c'est logique, il aura une carte TOTS. C'est sûr et certain à 100%, à 400%, à 1000%, il aura une carte TOTS. Il fait une saison exceptionnelle et sa carte TOTS mec. Mais je pense qu'on va tous l'acheter. Si t'es fan des G-Techniques, t'es fan des joueurs comme ça, t'es fan des joueurs agiles, on va tous l'acheter. Enfin du moins on va essayer de l'acheter parce qu'on ne sait pas combien il va coûter. Mais en tout cas j'ai hâte de voir donc sa carte TOTS sur FIFA. Moi ce que j'ai fait c'est que je lui ai mis une carte vraiment pas mal avec 99 en vitesse. Bon ça je pense que c'est sûr et certain qu'il aura les 99 en vitesse. Il va se rapprocher aussi des 99 en dribble avec 97 donc de dribble là sur cette carte que moi je prédis. Il n'y a rien à dire, hein. J'ai hâte de la tester et évidemment quand elle sortira, je vous ferai une vidéo spéciale donc avec le Dembélé TOTS. Pareil pour le joueur suivant, vous le connaissez, il joue dans la même ligue, il joue au Bayern. C'est évidemment donc Thiago Alcantara, l'ancien joueur barcelonais. Donc du coup, Thiago, alors qu'est-ce qui va se passer avec lui? Je pense qu'il aura une très très belle carte, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Sa carte, j'espère qu'elle va pas coûter cher. Quand j'ai vu un petit peu le prix de ses autres cartes, ils ont complètement baissé. Genre sa carte à 90 de général, elle coûte 60 000 crédits. Donc on va pouvoir peut-être avoir une carte TOTS à moins de 200 000 crédits. En tout cas, je l'espère. J'ai pas trop envie de mettre énormément de crédits sur cette carte parce que j'ai évidemment envie de mettre Thiago et Ousmane Dembélé dans la même équipe. Ce serait plutôt classe. Après, j'espère que ces TOTS-là vont vraiment tout éclater sur le jeu. Alors lui, je suis sûr à 100% qu'il ne sera pas TOTS, mais je l'ai mis parce que c'est Di Maria. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je connais très bien EA. EA, ils peuvent te foutre un Di Maria en TOTS Ligue 1 juste pour te faire paquer. Ils ont fait ça avec pas mal de joueurs, hein, de toute façon, on les connaît. Ils font ça, par exemple, avec des joueurs de Première Ligue. Je sais pas, il y avait un moment, il y avait un mec qui avait mis juste une passe décisive, il se retrouve in form. Alors qu'à un moment, El Shaarawy, il avait fait 3 passes décisives en un seul match, même pas de IF. Enfin, je comprends pas, des fois je comprends pas, et je me dis qu'ils peuvent te faire la même chose avec Di Maria. Di Maria, je pense qu'il ne sera pas TOTS, mais je l'ai mis parce que EA, c'est de la douille. C'est aussi simple que ça, hein, franchement. Je pense qu'on aura des surprises concernant certaines TOTS. Et je pense que peut-être Di Maria en fera partie, même si je sais que Thauvin et Bernardo Silva, sur le côté droit, méritent à 300% une carte TOTS à la place de Di Maria. Le prochain joueur, c'est sûr et certain qu'il aura une carte TOTS. Ça, j'en ai aucun doute. Il aura une carte TOTS en Liga, donc en Ligue Espagnole. C'est pour moi le meilleur joueur du Barça, évidemment, si tu ne regardes pas les matchs sur Flash Result. Je veux bien sûr parler de Neymar, donc 98 de général, avec 99 en vitesse et en dribble. Ça, c'est sûr et certain qu'il les aura, parce qu'il a déjà, je crois, 99 de dribble dans sa dernière carte informe. 96 en tir, 95 en passe, vraiment une carte, je pense, qu'on aimerait tous avoir, franchement. Moi, le premier, mais je pense que toi aussi, t'aimerais bien avoir cette carte. Neymar, voilà, de toute façon, c'est les 5 étoiles de mauvais pied avec geste technique, donc c'est vraiment une carte sublime et c'est une tuerie tout ce qui concerne donc les gestes techniques, l'agilité, l'accélération, la vitesse, tu peux tout faire avec lui et ça c'est énorme, c'est un joueur que j'apprécie énormément et j'espère vraiment, mais je pense qu'il aura une carte TOTS, ça c'est sûr et certain. Évidemment, surtout les mecs, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Si vous pensez que 98 de général c'est trop, c'est pas assez, peut-être 99 de général. Moi je mets 98 parce que je pense pas qu'ils le mettront à 99. Après, ça me dérangerait pas évidemment qu'il ait 99 de général, mais je pense que ça serait un petit peu trop élevé. 98, je pense que c'est parfait. Je pense que c'est parfait, il les mérite amplement, il fait une saison exceptionnelle avec le Barça. Le dernier joueur avec 5 étoiles de G-Technique, donc qui aura une carte TOTS, lui aussi, comme Neymar en Liga, c'est évidemment Cristiano Ronaldo. Alors, Ronaldo, rien à dire. Je pense qu'il aura les mêmes stats que sa carte TOTI, ou du moins, ses stats seront très très similaires. Après voilà, il fait une excellente saison aussi, rien à dire. Je sais pas quoi dire en fait sur ce genre de joueur, c'est comme Neymar, hein, ils font des matchs excellents, ils font une saison excellente, enfin voilà quoi, il n'y a rien à dire.
je pense qu'on est tous d'accord, et les deux seront en TOTS Liga, et les deux auront une carte TOTS, donc voilà, au niveau des prédictions, c'est pas vraiment une prédiction, parce que c'est sûr et certain qu'ils seront donc TOTS en Ligue Espagnole. Après, on sait jamais, mais je pense que c'est sûr. En tout cas, les mecs, surtout, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Donc, on a donc Elie Nussi, Di Maria, Giuliano, Neymar, Quaresma, Thiago, Cristiano Ronaldo et Ousmane Dembélé, même si je pense que Di Maria, c'est non, je le vois pas TOTS. Après, je l'ai mis comme je vous l'ai dit, parce qu'on sait jamais avec EA, ils peuvent te foutre un Di Maria TOTS juste pour te faire paquer. Mais pour moi, tous les joueurs que je vous ai présentés donc dans cette vidéo auront très certainement une carte TOTS. Et quand toutes les TOTS seront sorties, on retournera sur cette vidéo et on verra si on avait raison ou pas. En tout cas les mecs, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de chausser vos crampons, de prendre soin de vous, c'est très important. Et on se dit à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les amis.